dedico la canción soltera. La canción soltera, yeah. Se ve que ella no está puesta para el amor. Yeah, yeah. Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl. Porque lo sepas. Porque ella me ha cupido a pedirle un favor. Yeah, 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 yeah. Esperando tu DM. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter les produits que j'utilise pendant ma grossesse, qui m'a beaucoup aidé avec le bouton, le tâche. Franchement, ça a bien fonctionné et je suis super contente. Bien que mon visage s'est un peu enflé, mais franchement, le produit est très top. J'avais opté pour le produit Ordinary qu'on trouvera chez Sephora. Vous pouvez prendre le capture et ce n'est pas du tout toxique. J'aime beaucoup et le masque là pour les lèvres, c'est très très top. Alors, toutefois, je vais essayer de trouver le lien, je vous mettrai en barre d'infos. Et le gommage pour le corps, je l'avais acheté chez Romsens. Regardez comment c'est fini. C'est ce que j'utilise sur mon corps 3 fois la semaine et c'est très très top. Alors, on va dire un grand merci à la compagnie Jaliza. On va envoyer cette belle perruque que j'aime bien, vraiment facile et pratique à porter. Donc du coup, je vais vous présenter le cadeau qui vient avec. Alors, on nous a mis les faux cils, on nous a mis le cap, il y en a deux, et on nous a mis un cintre et un sac pour bien protéger la perruque. Je vais vous le montrer, je vous laisse avec les images. Alors, la perruque que moi, j'avais commandée, c'est le Human Hair, le cheveu naturel 100%, 36 pouces. C'est la perruque Boho et le lait, c'est du HD. Avec du Baby Hair et c'est tressé à la main 100% et ça ne se mêle pas du tout. La perruque est très souple, très, très légère. Regardez-moi ça. Les caps, c'est du HD. Franchement, c'est très, très top. J'aime beaucoup. Et surtout que c'est tressé à la main, c'est ce qui fait la différence. Et ça vient avec l'élastique, sécuriser la perruque. Je veux juste aller porter la perruque. La perruque est là, elle est très belle. 100% naturel, human hair. Regardez-moi ça. Ça se mêle pas, c'est tellement doux les amis. C'est 100% human hair. Et ça vient avec le baby hair. On va les porter. Elle est juste trop belle, j'aime beaucoup. Je vais juste couper les lisses. I really really love it. Voilà. Donc, je mets mes doigts. Il n'y a pas de retombée. Regardez-moi ça, comment c'est lisse. Ça ne se mêle pas du tout. Regardez-moi ça. Et elle est vraiment légère. J'aime beaucoup. Alors, je vais couper le lisse. Et ça vient avec le bébé. J'aime beaucoup. La perruque est juste très belle, très souple, très très lisse. Regardez, je vais vous montrer le derrière. Comment ça? Franchement, j'aime beaucoup cette perruque. Elle est belle, facile à porter, très souple. Et j'aime comment le bébé est son naturel. Et très très doux. Alors, toutefois, je vous laisse toutes les informations en barre d'infos. Si vous êtes intéressé, vous ne serez pas déçu. Côté qualité, vraiment rien à dire. Ok, let's go. J'avais tellement faim, donc du coup, j'avais demandé à mon mari de m'amener la nourriture asiatique. J'avais tellement envie de manger ça. C'était juste trop délicieux. Mmh.
Qui a fait ça pour toi? Avec le steak. Ma déçoit pas, non, elle est ratée, elle est ratée. Bon, hein? Sur les pommes de terre, fais maison. Ah non. Chaud. Mes chers amis, certains n'importe quand tu manges, le goût est un ici. Mais certains ça va jusque là-bas. Là, non. Alors c'est parti pour l'aménagement de notre salon familial, là où on passe plus de temps. Donc du coup, on a reçu la livraison de notre salon. J'ai très hâte de vous les présenter sûrement sur la prochaine vidéo, sûrement. Et là, on va juste aller enlever ces fauteuils. Je pense que je vais vendre celle-là que vous voyez, là où il y a l'aspirateur. Et l'autre là, je vais mettre dans la poubelle. Donc, j'en ai plus besoin. Donc, du coup, on va juste descendre notre sectionnant. Et voilà, je vais pas vraiment décorer parce que là, je n'ai pas beaucoup d'énergie. Mais sauf que on va descendre le canapé. On va juste organiser le coin là où vous voyez les jouets. J'ai un projet pour ça. Je vais juste acheter un grand meuble de rangement pour jouer pour les enfants. Surtout que j'aurai encore un autre bébé. Donc, du coup, je n'ai pas le choix. Je vais créer juste... un playroom juste à côté. Je vais mettre le rangement et comme ça mes enfants peuvent profiter de cet espace. Et vraiment c'est très grand. De l'autre côté il y a même un lit. Peut-être vous allez voir ça, je sais pas si j'avais filmé, il y a même un lit. Donc c'est vraiment très grand, très spacieux pour les enfants. Ils peuvent vraiment profiter de bien jouer. Et aussi on a un projet de mettre la table de ping-pong. Donc c'est vraiment une grande espace qu'on doit utiliser au quotidien. Vraiment, surtout pour les enfants, ils peuvent bien jouer. Donc, du coup, je vais juste aller aspirer et ensuite, vous allez voir mon mari et mes enfants qui vont aider à descendre le canapé. Et là, vous allez voir mon vélo pour le sport. Donc, je suis prête, hein, après l'accouchement, de reprendre mon poids. J'ai tellement hâte. Donc, il y a déjà le vélo et tout. Donc, on doit perdre le poids après la grossesse, bien sûr. Donc, voilà, je continue d'aspirer. Là, vous avez vu, au coin, il y a un lit. Vraiment, l'espace est super grand. Alors, les enfants peuvent bien en profiter. Donc, là... je continue d'aspirer et Daddy et les garçons vont aider à descendre le canapé. Oh, my old way. Put them on the TV.
Oh là là, travailler avec les enfants, ce n'est pas du tout facile, mais comme c'est leur espace, on n'a pas le choix. Alors pour cet espace, vraiment, on a un grand projet à réaliser, bien que ce n'est pas pour maintenant, mais on veut vraiment que les enfants puissent s'amuser dans cet espace. On va créer des choses pour eux. Comme ça serait vraiment très bien pour eux. Et même pour nous, les journées cinéma, les journées en famille, vraiment, cet espace, c'est vraiment l'idéal parce que c'est vraiment, vraiment grand. Donc, du coup, Daddy va ranger le canapé et après, on va installer les tapis. Alors voilà, on a installé le tapis. Donc, bien que le canapé est très grand, mais regardez-moi l'espace. Donc là, je ne sais pas encore si je dois mettre la table basse ou pas, mais je verrai bien. Pour le moment, c'est comme ça. On va juste aller décorer l'étagère tout légèrement. Et puis voilà, donc j'aime beaucoup, c'est calme. Et la télé, j'ai déjà contacté quelqu'un pour venir installer ça sur le mur. Là, je vous reprends 2 jours plus tard. Je vais juste aller décorer l'étagère tout légèrement seulement. Juste question de donner ça un peu de style. Mais sinon, je n'ai rien fait de grave. Je verrai quand je vais accoucher. Je vais bien réorganiser et bien ranger. Mais pour le moment, franchement, je n'ai pas beaucoup de force. Alors les amis, nous sommes presque à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de checker la barre d'infos pour le lien de notre purée de la compagnie Dializa. Je vous laisserai toutes les informations. Et voilà le rendu les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Franchement, j'aime bien le calme là. Bisous. Mouah, mouah, bye bye.